de prendre en charge des déchets ménagers, parce que c'est l'initiative de DET du village. Donc on a commencé l'opération, on a fait un essai il y a une semaine, un essai, ça a l'air de marcher, pas tout à fait, mais je sais que c'est des lacunes qu'on va combler après. Chez Houston, on a demandé un tracteur avec nos propres moyens, avec l'aide des immigrés, mais malheureusement, toujours, on a demandé, au niveau de la Sanacom, la direction de Alger, oui. La semaine passée pour avoir une facture pro forma, donc, Afghanistan, un chiffre 219 335 000. Avec un délai, un bon de commande, vous allez attendre 18 mois et à savoir. 18 mois. Les sonacomagues sont plus efficaces, sont plus. Voilà, déjà difficilement avec les cotisations, donc il y a un produit local et plus efficace. Oui, absolument. Mais malheureusement, voilà, il faut attendre minimum 18 mois, pour avoir un tracteur. Alors que c'est un produit local, il fait d'être normalement ça défaveur. Logiquement, c'est ce qu'il va. Normalement, c'est ce qu'il va. Eh bien, on va le signaler, voilà. C'est une autre décharge, nous, on y est.